Ah ouais, mais encore genre une meuf qui s'est assassinée comme ça froidement. Mais c'est quoi cette ville? Galloway. On a que des fous furieux ici. Got it, Skipper. Yeah, I'll bring him. He's my partner, after all. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hacks are all over it. Captain's trying to fend them off. That sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Skipper wants you to have your newspaper face on, colleague boy. I think I know the place where they found the lady. Bien, bien, bien. Allons-y. Alors, let's go. Mais d'abord, où sont mes bonnes manières? Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur LA Noire. Nous attaquons ici, du coup, le 7e épisode de notre let's play. On va suivre notre collègue, on va descendre de l'autre côté. J'espère que c'est plus proche de la bagnole, du coup, normalement c'est censé l'être. Du coup, oui, 7e épisode de ce let's play, 2e affaire, donc, de la brigade criminelle. Hop là, on va se mettre au volant. Nous allons aller tout de suite enquêter sur le lieu du crime. En espérant que ça soit pas trop loin. Et on va essayer cette fois-ci d'aller chercher les 5 étoiles, comme toujours, en espérant que cette fois-ci soit la bonne. Wow, putain. Je vais mettre la sirène. Je pense que ce sera plus safe. C'est en haut. Oh putain, c'est en haut. Comment je fais du coup? Je vais essayer de passer par là peut-être, s'il y a moyen. Ouais, on peut monter par là, parfait. On va passer par là du coup. Voilà. Je pense qu'on doit être pas trop mal là. Ouais, si, je pense qu'on est arrivé même. On tombe ici. Voilà. C'est bon, on y est. Scène de crime, 10h52. Boys, you know as much as I do. I'll be holding a press conference once the autopsy's been completed. I have two of my finest investigators on the case. Fresh from bringing down the sword of justice on the crazed sex... Captain, aren't there similarities between this murder and the murder of Celine Henry? And of Elizabeth Short? C'est vrai, c'est un peu ce que je trouve également. Ça morte de la même manière. We have the greatest police force in all the world, with the greatest scientific investigators around the... Pourtant, on l'avait mis en taule, l'autre. How can any killer continue to be down? Je sais pas, sinon... ça aurait pu être plus varié quand même, hein, les meurtres qu'on a. Ils sont tous morts de la même manière, apparemment. Yeah, right. Any new leads in the Dahlia case? Run along, boys, and let these officers get to work. We have God's work to do here, and it can't be delayed. Ça sent un peu le meurtre en série, non? Je sais pas pour vous, mais... Ça voudrait dire que le gars qu'on a écroué dans l'épisode précédent, c'était peut-être pas le bon, mais enfin... Non, enfin je sais pas, parce que tout l'indiquait comme quoi que c'était lui. Parce qu'on a retrouvé des preuves accablantes, hein, quand on a inspecté son appart. Mais c'est marrant, c'est le même procédé que pour Céline Henry, justement, qui s'est fait buter dans l'épisode précédent. Après, peut-être que c'est juste un hasard, va-t-on dire, qu'ils étaient pas plus inspirés sur les méthodes de meurtre. Enfin, ce serait surprenant de la part de l'équipe de Rockstar, mais peut-être. Hein. Alors, suivons le mec. Suivons-le. Au calme. On va voir ça. Alors... Ah oui, alors j'espère que je me ferai pas strike par YouTube. Parce que là on va encore avoir du gore. Des empreintes d'un homme à petits pieds. On n'a pas de pointure, mais c'est des petits pieds. D'accord. Petits pieds. Ah la vache. Ah elle aussi elle s'est fait mettre à walper. Mais merde, mais on est... exactement le même... Même procédé que le... Bah, pour Céline Henry, en fait. Le même procédé. Je commence à vraiment avoir de plus en plus de soupçons maintenant sur... je sais pas, un meurtrier en série, parce que c'est exactement les mêmes procédés, quoi. Il y a son sac ici, on va regarder ce qu'il y a dedans.
Alors, il y a un petit peu de money. Bon. The motive was robbery. Why not take the money? Effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Bon, du coup, vu qu'elle est morte, elle en aura plus besoin. Je pense qu'on peut se le garder, hein. Hein? On peut pas. Putain, Cole, toi et ton honnêteté. Ah. Ah, t'es chiant. Voyons voir ce qu'on a également d'autre. Limoneur, association parents professeur. C'était une prof? Deidre Muller. Ah non, c'est. Deidre Muller. Non, c'est à elle ça? Elle s'appelle comment déjà la victime? Bon, attendez. Non, c'est un nom masculin ça. C'est pas son nom ça, du coup. Attends, je vais regarder après par la suite. Vas-y, pose ça, Cole, s'il te plaît. C'est qui la Maccabée? Attendez. Individu. Deidre Muller. Victime. Ah d'accord, non, c'est donc c'est bien elle. Ah putain, il y a juste la tête quoi, Berk. Mon dieu. Ok, non, non, ok, c'est une prof. D'accord, c'est une prof. Apparemment. Apparemment, c'est une prof. D'accord. Avons-nous autre chose? Ah, ça a tremblé. Oh, une bouteille. Ouais, bon, ça, je pense pas que. Je ne pense pas, effectivement, que ça soit lié à l'enquête, ça. Oh là, il nous a fait un petit saut de cabri. Vas-y, refais ça pour voir. Bah, tu préfères faire le tour, hein. Ouais, je savais que t'étais pas capable de le faire deux fois d'affilée. Attendez, je peux peut-être interroger le. Lui ou. Attends, non, je prends les preuves avant, je pense. Je vais prendre. Enfin, les preuves, les indices, quoi. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y avait des bijoux? Ah, il y a une bague qui s'est fait voler. Ah, putain, c'est. Ah, c'est vrai, quand vous dites que là, les affaires sur lesquelles on est en train d'enquêter, là, dans cette brigade criminelle, là, c'est des vraies affaires qui ont réellement existé, en fait. Hein. C'est des. Là, enfin. Ça, je me souviens. Ça m'avait interpellé à l'époque. D'accord. Donc on lui a pris une bague et une montre apparemment. Ok. Donc l'argent qui était dans son sac s'en battait les couilles. Par contre, il voulait ses bijoux. Plus particulièrement, ça, j'espère qu'il valait bien cher, hein, quand même, pour en arriver à ce stade-là, quand même, là, parce que c'est violent. Voyons voir ici. Il y a des traces. Ça nous apprend rien de plus, j'ai l'impression. Non, d'accord. On voit qu'il y a eu des traces. Cette trace noire, je sais pas c'est quoi. C'est des traces de Yep. Il l'a. Ah oui, il l'a piétiné, j'ai l'impression. Ah la vache. Oh, c'est violent, quoi. Je disais. Je sais plus. Je parlais d'un truc justement là, mais je. Bon, ça va peut-être me revenir. Bon, voyons voir la tête. Attention, les craquements d'os. Ah. I'll do some comparisons back at the lab and get back to you. La vache. Mais ils l'ont. Il s'est fait ligoter ou mais c'est. Non mais même c'est une corde extrêmement large, extrêmement épaisse pour laisser des traces comme ça si elle s'est fait ligoter ou. Comment elle a fait pour avoir des traces comme ça quoi? Oh putain, arrêtez avec ce bruit, c'est. Oh c'est tellement horrible. Ah oh, je supporte pas. Lâche cette tête, s'il te plaît, vas-y Cole, je pense qu'on l'a tout vu. Ah, c'est dégueulasse, putain. Ah. Oh. Ouais, non, c'est bon, je crois, il n'y a plus rien. Ok, t'as vu, tac, tac, tac. Ouais, c'est bon, bah, il n'y a plus d'autres points d'interaction. R&I says that Deidre Muller of 130 North Bonnie Bray was reported missing this morning by her husband, Hugo Muller. What I tell you? Just grab the husband, take him downtown and work him over. And have this wrapped up by lunchtime. What about not making assumptions and going on the evidence? Oui, bah oui, Rusty, voyons. Nous allons essayer de faire bien notre job. Tout du moins, jusqu'au bout qu'on le. Comme on le puisse, avec ce qu'on a. Je dis pas que j'arriverai à faire le perfect, mais on va essayer. Céline Henry. That's a closed case. This is probably another sad sack who lost his temper with a broad who wouldn't put out. Are you a suspect, Rusty? Watch your mouth, Belt. Oh. All I'm saying is we got enough to do without reopening closed cases. Talk me through it, Mal. Alors, Rusty, c'est pas le genre de gars qui cherche à faire, on va dire, par quatre chemins. Oui. You finished? No, I'm not. At a glance, I would say strangulation is the cause of death. I'll need to do further tests for semen. Angry boyfriend. They were married, they'd be at home.
that humping out here in Lover's Lane. Ah, voyons Rusty, c'est quand même, ça interpelle quoi, quand même, le fait que là on la retrouve à walper comme ça, assassiner sauvagement, c'est exactement la même méthode, et de ce qu'on a vu dans la petite cinématique d'introduction, elle s'est fait buter avec un objet en métal, c'est ça que je disais en fait, la ressemblance entre cette affaire et l'ancienne affaire, un objet en métal qu'on entend, donc un sort de tuyau, un truc de ce genre là, ou une clé, je sais pas trop, enfin voilà, un genre de bail quoi, un truc en métal. Une barre en métal quand même, même méthode opératoire. Enfin après c'est peut-être juste un hasard, mais je serais déçu que ça soit juste un hasard quoi en fait. Parce que ça voudrait dire qu'ils auraient manqué d'imagination, on va dire, l'équipe de Rockstar. Ce serait pas bien ça. Ce serait pas bien. Bon, il n'y a pas d'autres indices à chercher ici, hein. Apparemment on a fait le tour. Hop, je fais attention à ne pas marcher dessus quand même, hein. Ce serait irrespectueux d'autant plus. Je fais mon petit saut de cabri, où est ma voiture? Allez là-bas, je l'ai vu. Hop, tac. Et nous allons du coup nous rendre sur le prochain lieu. Ray Pinker, as-tu quelque chose à me dire? Non, tu fumes ta clope au calme. Ok, bah tu sais quoi, je vais faire également la même. Je vais retourner dans ma caisse. Oh, elle est pas mal celle-là. Elle est stylée cette voiture. Je trouve qu'elle est stylée. Domicile démoleur. Hop. Oh, je trouve qu'elle est stylée quand même. Bon, après j'imagine c'est un véhicule qui doit être assez lourd quand même. Elle tombe pas super bien. Bon, alors on va quand même, je vais quand même reprendre ma voiture de base, je pense. Je pense qu'elle est un poil plus rapide. Attends, voilà. Courir, c'est la gâchette de droite, j'oublie à chaque fois. Allez, vas-y, montre Rusty. Mon petit Rusty Wallace. Rusty Wallace. Enfin, t'as pris du poids, mon petit Rusty, hein. Bien, let's go. Attention. Oh putain, j'ai failli la faucher, mais méchant, quoi. It doesn't work out. Deirdre Muller has suffered enough. More than enough. You shouldn't make disparaging comments about her. Oh non, oh non, oh non. Oh, ça va, on s'en sort pas trop mal, mais... Mais j'ai senti que ça allait être la merde. On est coincé. Je crois qu'on est coincé. Eh merde, putain. On est arrivé dans un sort de bidonville. Non, ne vous inquiétez pas, cherche pas à vous chasser les migrants, non, non, restez tranquille. C'est, enfin, en l'occurrence là, c'est pas rien contre vous, quoi. C'est juste que je suis arrivé ici malgré moi, quoi. C'était pas voulu, hein. Ne vous inquiétez pas, je suis pas venu vous chasser, pas encore. Alors, juste, si vous permettez que je passe, s'il y a moyen, alors je sais que c'est pas... Ouais, je sais, ouais, je fais un petit peu de dégâts, pardon, veuillez m'excuser. Hop là, c'est très cosy chez vous, hein, c'est... Ah ouais, pardon, excusez-moi, pardon. C'est comment dégager tous les migrants qui sont dans les camps, vous passez avec une voiture de keuf, comme ça, avec la sirène, et vous les faites tous fuir, voilà, hop. Allez, rentrez tous chez vous, dégagez. Quittez ce pays. Et voilà, comment on se débarrasse des migrants. C'était une petite vidéo tuto. Même si corde. Alors on va aller peut-être faire l'enquête, non? Enfin l'enquête, la mission annexe, je regarde si c'est loin. J'espère pas trop quand même, mais... Bon, ça le fait. Moi, je suis déjà sur l'axe. Je suis déjà sur l'axe de la route, on va aller le faire. On va aller le faire. Hop là, pourvu qu'on se crache pas. Ça va, on gère. Là, la conduite, ça commence à venir, hein. Il faut à chaque fois un petit temps de réadaptation, mais après on s'en sort. Alors j'espère que ça passe. Ouais, ça va, ça passe. On y est. Hop, alors juste avant d'arriver dessus, pardon, hein, je coupe l'élan de cette vidéo, je coupe le momentum juste le temps que je me rallume ma petite clope. Hein, veuillez m'excuser, hein, j'ai oublié de le faire tout à l'heure avant de prendre le volant. Ce qui est chiant avec les roulés, je vais vous dire, c'est que le truc, bah, ça s'éteint tellement vite. C'est une plaie. Bah, il faut à chaque fois réallumer le machin.
Mais bon, c'est plus économe, c'est plus économique, donc bon. Mais en plus que là, vu qu'on est confiné, oh la vache. Ça se consomme sur consomme, je vais vous dire. On y est. Tables have turned now, haven't they, boys? Hey, look, old man, we're sorry. Just quit shooting. The hell I will. I'm getting pretty tired of losing my weekly take to you punks. Oh, ils cherchent à se barrer. Où sont-ils? Rusty, je te suis. Ils sont passés par là? Ah, d'accord, les salauds. T'inquiète, on va se les faire. Ou je vais me les faire vu que t'as pas l'air... Ah, si tu viens. Pendant un instant, j'ai cru que tu m'avais abandonné, Rusty. Alors, attention. Aïe 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 aïe, il faut réussir à viser. Pas évident. C'est bon, je l'ai eu. Oh, à l'arrière de la tête, la vache. Oh, violent. On va avancer peut-être un petit peu. Ah ouais, il s'est barré, il est descendu encore, enculé. On va se le faire. Et il tire dans quoi là? Nous on est en haut, hein. Je sais pas dans quoi il tire, il y avait un troisième gars ou il était pas affiché sur la map. Wow. Oh putain. Oh sa mère. Oh putain. Oh putain, c'est la merde. Va te planquer, va te... Il y a un autre train en plus, fait chier. C'est bon. Je vais me planquer ici. Il faut que je fasse gaffe au train. C'est bon, headshot. Boum. Oh, j'avais peur qu'un autre train arrive. Putain, la vache. Oh. On a eu vraiment de la chatte l'avoir réussi en first try celui-là. Oh, vraiment, parce qu'on aurait vraiment pu clamser là. Mais... Non mais, le train quoi, je l'ai vu qu'au dernier moment quoi, la vache. It's code 4 here, but suspect is down. I need an ambulance and coroner. Bobby K, roger on the ambulance and coroner. All units 11K reports code 4 on the shooting at 410 South Flower Street, Scott's Grove. Ouais, on a été encore obligé de les buter, ouais. Mieux vaut amener un médecin légiste également avec. Mais je voulais pas le buter à la base quoi, mais je sais pas quoi, j'étais obligé, c'était soit lui soit moi quoi. Et on va pas me reprocher de faire mon boulot de keuf quoi après tout, merde. Enfin c'est pas forcément de buter les gens, mais là je vois pas comment faire autrement que pas les buter quoi. Parce que là même en les braquant, ils vont pas pour autant s'arrêter de tirer sur moi quoi. Ou alors à la rigueur que j'essaye de les blesser, de les tuer. Au lieu de headshot, je devrais essayer peut-être de viser les jambes, un truc comme ça. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Par où passer? Bon, on va passer par là, j'aurais dû parler, enfin parler, passer, voulais-je dire, par l'autre côté, mais bon, il y avait une route par là, donc on passe par là. Attention, oh, attention, j'ai dit attention, merde. Là, il est pas un de mes propres collègues en plus, quoi, j'y crois pas, quoi. Ah, je devrais plus souvent utiliser d'autres fonctions qui permet en fait bah, à mon coéquipier de prendre le volant quoi. Mais bon, le truc c'est que j'aime bien conduire un petit peu aussi quoi, sinon ce serait trop facile. Ouais, je sens que c'est totalement pas dans ma direction, mais genre loin en plus. Oh bah oui, laisse tomber hein. Une autre fois. Ah non, 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 y'a pas moyen là. Laissez-moi passer, je suis un véhicule prioritaire. On se décale, on se décale, on me laisse passer. Oh, pardon, j'ai pas de frein. J'ai pas de frein, j'ai pilé sur la pédale de frein, la voiture ne s'est pas arrêtée. Bon bah je pense qu'on va être certainement être parti de nouveau pour un 4 étoiles, si ce n'est pire. Alors, on s'approche, ça y est, on y est, on y est.
Domicile des molaires. Des molaires. Bien, bien, bien. Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? He'll be home soon. He's been out looking for mommy. What's your name, miss? Michelle Eloise Mahler. Can we come in? I suppose so. Oh non, on va devoir faire l'interrogatoire sur une gamine. Oh. Could you have a seat for me, Michelle? Est-ce qu'on doit lui annoncer le truc? Non, 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 non. Oui, ouais, on va juste chercher quelques indices. Alors, au moins toi, t'as un peu de tact aussi, Rusty, avec les gamins. C'est bien, il faut. Alors, un violon, ouais, bon. J'aime bien la musique. Je vois pas à quoi ça pourrait servir. Ah, ça a tremblé dans la manette. Ah, voilà. Le carnet, y a-t-il des infos là-dedans? Absolument pas, apparemment. Ok, donc ça, ça doit être la piole de la petite. C'est pour ça qu'on n'a pas grand-chose, j'imagine. On va aller voir l'autre piole. Ah tiens, on va regarder un petit peu les godasses. Size 8. Ça pourrait coller avec les traces qu'on a trouvées, je pense, sur le lieu du crime. Okay. Et la même chose sur l'autre, d'accord, rien de plus. Vu que ce sont des traces de petits pieds qu'on a trouvées là-bas. Et ponture 41, bon, c'est quand même pas très grand pour un mec. Non, ça j'ai déjà vu, c'est pas ça que je voulais voir. No sign of a wedding ring. Effectivement, c'est donc quasi certain, même déjà comme on le pensait. Sa bague a été volée, dérobée, ainsi que sa montre. Ça, j'imagine, c'est là où il y avait sa montre, c'est ça? Elgin wristwatch. Ouais. Probably the same one snatched from her body. Ouais. C'est bien donc ces éléments qui ont été dérobés. Il n'y a rien de plus sur la commode, d'accord. D'accord. Nous avons fait le tour de cette pièce apparemment. Là-bas on a déjà regardé. Continuons par là peut-être. Non, il n'y a rien. D'accord, il n'y a rien. Là j'ai déjà regardé. Tiens, ici. Ça. Est-ce que ça peut nous donner des infos? Apparemment pas. Bon, ok. Dans la cuisine, y a-t-il quelque chose? Les notes au frigo, peut-être, non? Non, pas, il s'est même pas intéressé à ça. Il a faim, je crois. Cole, il a faim. Une carotte. Mais on peut se faire un bon potage avec ça. Un bon petit ragoût. Un petit zeste de citron. Oh, cool, voyons. Oh. Faut penser un petit peu à se nutritionner par moment. Est-ce que je peux sortir? Non, apparemment. Il n'y a peut-être rien à voir du coup dans le jardin de ce fait. Peut-être je me dis. Ça, c'est quoi la porte d'entrée? Ouais, ça, on était rentré par là, c'est vrai. Oh, pardon, j'ai pété un truc, j'ai pas fait exprès. Bon, enfin, la maîtresse de maison ne me dira rien du coup, vu qu'elle est morte. Mais ouais, pardon, je veux dire, vu qu'elle est morte. Et je me demande comment on va mener cet interrogatoire du coup. Allons-y. Oh non. Your mother is dead. Do you think you could answer a few questions for us? Try.
nous a fait un sourire en même temps là. J'ai pas rêvé, elle a souri. Dommage, ce jeu d'acteur était si bien jusqu'à la fin, juste. Ça a merdé. Dernier contact avec la victime. When did you last see your mother? Du coup, avec yesterday sa mère. Afternoon. I went to a dance at Belmont High. Mom was supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead. Mm-hmm. Est-ce que tu me dis la vérité? Elle a un peu le regard fuyant, mais elle pourrait pas me mentir, vu que là, de toute façon, en termes de preuves, on a rien, quoi. Donc, c'est sûr que... Caractéristique de corde sur la gorge de la victime. Ah, donc c'est bien avec une grosse corde qu'elle s'est fait étrangler, quoi. Ouais, d'accord, ok. Je me disais que ça ressemblait à des traces de corde. Alors, en tout cas, on peut pas dire mensonge, ça c'est sûr. Donc, c'est soit vérité, soit doute. Eh, je vais vraiment, mais pas prendre de risque, hein. Ça, dès que la première question, j'utilise mon point d'attition. Non, sérieux, ça fait pas un peu abusé. Ouais, tant pis, hein. Eh, pas de risque. Ah, merci, ouais, tout ça pour me, genre, au final, me retirer un truc que je savais déjà, quoi. Yes, c'est doute. Mais j'ai perdu un point pour rien. J'ai perdu un point pour rien, super. Called and called and finally he answered. He came straight away then. Okay, très bien. Les bijoux. Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? Ring, watch. I never paid much attention to that stuff. Doute peut-être encore là, non? Ah, ça peut pas être mensonge, je lui ai dit qu'il manquait les bijoux, voilà, donc bon, Et l'alibi du mari, c'est quoi d'ailleurs du coup qu'elle nous a dit? Elle affirme avoir appelé plusieurs fois la nuit du crime sans que personne ne réponde. Sans que personne ne réponde. J'essaie de comprendre en fait, Michel Moller, donc c'est la fille qui dit qu'il a appelé plusieurs fois la nuit du crime sans que personne ne réponde. Mais elle a appelé où en fait? L'école? Ah, de son école, c'est vrai, elle était à l'école, elle a appelé plusieurs fois, mais personne ne répondait à la maison. D'accord. Et c'est, je comprenais pas pourquoi c'était marqué alibi du mari juste en fait. En ce qui nous concerne, petite... Ah, c'était la vérité! Subject with Daddy. He thought she wasted too much money on her appearance. C'était vérité. Ah, parce que je voyais en train de faire quelques regards comme ça, un petit peu comme sur la première question, quoi, un peu fuyant, donc je me suis dit que c'était doute encore. Mais merde. Mom and Dad are happily married. What are you saying? Of course they are. Doute. Je l'ai vu tout de suite, je l'ai senti. Déjà, comment elle m'a dit ça, un peu hésitante, déjà je sentais que c'était pas vrai. Bien, 2 sur 3. Hey, what did? Danny, the police are here. I'll talk to the police. Daddy, mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's your some kind of... Your wife was found murdered this morning. Found? What? But she only... We have some questions that we would like to ask you. Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. Je sais, c'est pas facile. Trace de pas sur la scène de crime. What size shoe do you wear, Mr. Muller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. Nines, I think. Mensonge. Why are you lying to me, Mr. Muller? Why would I lie to you at a time like this?
Mais alors, explique-nous la chaussure pointure 41, à ce moment. The work boots we found here are size 8s. Why lie about it if you've got nothing to hide? C'est ça? Because I always get teased about the size of my feet. You know, small feet, small... Always been true in my experience. Ton expérience? Voilà, toi aussi Rusty, il va falloir que tu nous dévoiles les choses alors. Alibi pour Hugo Moller. So you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. Si je dis mensonge encore. You should come clean if you're having an affair or if there's something going on. I told you I was here. You saying I wasn't? Ah bah, qui dit comme quoi il était là? Ah ouais, mais à ce moment, l'alibi de Michel Moller affirme avoir appelé plusieurs fois la nuit du crime sans que personne ne réponde. Ah bah ouais. Vu qu'elle était à l'école, elle a essayé d'appeler à la maison et que ça décrochait pas. So why did you take so long to answer the phone when your daughter called? Okay, I went out for a while. I was driving around. It's my way of relaxing. D'accord, bon, même son explication me semble un peu bancale comme ça. Signalement de la disparition. Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around 9:30. Michelle was out at dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. J'arrive pas à déceler à travers son expression faciale. Doute. Yes. Go out by yourself to bars, nightclubs? No. What are you suggesting? You suggesting my wife's loose? Now is not the time for you to be pushing me, mister. Your daughter said you were having an argument. We argued about who would pick up Michelle. I worked a full day. I wanted to come home, put my feet up. D'accord. Et tes antécédents de violence conjugale? Your wife was beaten and then strangled. In your case, you have no alibi and a history of violence towards your wife. That's not true, goddammit! Je peux dire mensonge, quoi. You're a violent man. You try to keep a lid on it at home, but sometimes you lost control. Your daughter and your wife were scared of you. You don't know anything about me. Je pense que je peux dire par rapport à la broche, non? Non, pas ça. Non, ça, c'est pas une preuve. Ça, je l'ai déjà utilisé. Broche dorée en forme de pain offerte après une dispute conjugale. Yes. Oh putain, j'étais pas sûr en plus. How you bought your wife off the last time you hurt her. She liked to spend money, all right? Dresses, jewelry, her hair, it drove me goddamn crazy. Do I look like a Rockefeller? Nobody likes a cheapskate. Oh, le perfect, le perfect. On s'est bien récupéré là-dessus. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Muller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind and don't make me come looking for you. Eh, comme quoi je suis sympa, hein. Comme je sais que tu dois gérer ta fille maintenant et tout ça. Eh, je t'embarque pas, je te mets pas les manottes. Ouais. Tu viendras par toi-même au Comico. Non, Rusty. One, we need to break his alibi. Check phone records, canvass the neighbors. Two, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in L.A. Three, we have no evidence tying to the crime scene. Hello, detective. Ah bah tiens, parfait. On va pouvoir interroger le voisinage, justement ce que j'avais oublié de faire dans l'épisode précédent. Ça m'avait niqué. Alors, d'abord. Je voulais savoir si dans son jardin il n'y avait pas quelque chose quand même avant qu'on aille l'interroger. Hey Fiat, ça va? Ouais, non, pas trop, ouais, j'imagine.
Tu fais peur comme ça. Non, mais je comprends la détresse qu'elle doit vivre en ce moment. Ça doit être quelque chose d'horrible. Et qu'est-ce qu'il fout, lui? Je fais un peu de voyeurisme. Bonsoir, bonjour. Bon, apparemment, il doit être dans ses pensées. Je peux le comprendre aussi. La fillette aussi. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est des affaires moches, quoi. C'est moche. C'est moche, quoi. Ah, c'est vraiment, c'est moche, je trouve. Ah, les histoires qu'on a par moment. Bon, il y a vraiment rien. Je fais le tour dans le jardin, mais apparemment, il y a vraiment rien. Attendez, il faut passer un coup de fil également. On va passer le coup de fil et on va aller interroger, du coup, la miss de l'autre côté. Oh là, c'est passé quoi là? Je crois que mon collègue il s'est cassé la gueule, je l'ai entendu tomber là. I need an address on a Belmont High School. Checking for you, detective. Belmont High, 1575 West 2nd Street. Thanks, ma'am. Le lycée de Belmont. Nous irons faire un petit tour là-bas par la suite. On va aller voir la voisine pour mener petite interrogatoire. I heard the terrible news over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Muller screaming. Did you see Mrs. Muller come home late last night at all? No, not at all. I did see Mr. Muller put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Voilà. Il essaie d'effacer les preuves, je crois. Hé, hey, mon gars, tu vas pas t'en sortir. Merde. Attendez, je peux peut-être le plaquer. Je peux peut-être le plaquer. Allez, plaque-le, plaque-le. Yes. Yes, on l'a eu. Ah, parce que quand on est assez près, on n'a même pas besoin de faire de tir de sommation. On peut l'avoir direct en fait. Ah, tiens, ça vibre ici. Ah, les godasses, justement. Ah, alors là, il est dans la merde. Ah, là, il est dans la merde. Là, il est dans la merde. Ah, bah oui, bah on a hâte d'entendre ça. Hein. J'ai hâte d'entendre comment tu vas expliquer ça. Bon, bah, affaire classée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous au prochain épisode. C'était rapide. I don't... He wants home and... You need somewhere to stay, Michelle. You have other family? Grandparents? Aunts or uncle? Call Aunt Helen, but she lives in Acresfield and... Call her. We're gonna get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime. Oh, dur, dur pour la petite. Take care of the kid. Dur, dur pour la pauvre petite. Aïe, 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 aïe. En espérant que ça aille bien pour elle. Là, ça va être dur. Sa daronne est morte. Et son père est très certainement le coupable de ce crime, apparemment. Là. On va aller voir quand même à son bahut. Voir s'il n'y a pas quelques infos qu'on puisse récupérer, vu que... Elle était censée, enfin sa mère était censée se rendre là-bas pour aller la chercher. Même d'ailleurs, dans la cinématique... Me semble-t-il, on a vu sa mère se faire assassiner à côté de sa voiture, me semble-t-il, si je me souviens bien. Donc c'est certainement sur un parking, donc peut-être, je me dis, le parking du lycée. Je pense, peut-être. Donc on aura peut-être quelques infos là-bas. Je vais juste activer la sirène pour éviter qu'on se crache. Hop là, tourne, voilà, parfait. Merde. Bah bah, ça... comment je te l'ai décollé là, comment je te l'ai fait arracher du sol à la boîte aux lettres. You're going on another drive with Davy Gardner, aren't you? So what if I am?
Il y a un mec chelou là, il y a un pédobir là. Il y a le pédobir, il faut qu'on... Okay. Reviens ici pédobir. Ça fait, tu sais depuis combien d'années qu'on te cherche. Tu es même devenu un mème sur internet. Je peux pas le... Je peux pas faire le tir de sommation là. Ah je peux pas apparemment faire... Non. Putain il s'est arrêté de courir le connard, mais non. T'arrêtes pas de courir. T'arrêtes surtout pas de courir mon pote, non. Ouf, il a réussi à sauter ça. Ah vache, ouais, il est en forme quand même. Tir de sommation, tir de sommation. Mais pourquoi je peux pas faire le tir de sommation? Je crois que j'ai oublié de le choper au corps à corps. Bah, je me rapproche de lui, n'empêche. Je vais l'avoir, j'y crois. C'est bon, yes. But. Je suis passé entre les fringues. Alors, il va nous dire pourquoi il a essayé de fuir peut-être. Ah non, direct, non même pas, on passe à la communication radio. Ah, ouais, qu'est-ce que je vous disais? Je le sentais. Parce que dans la cinématique, on avait vu un peu le truc, ce genre de bail, quoi. Ça ressemblait un peu à cet endroit-là, d'ailleurs, justement. Oh, mais en plus, je crois qu'il était habillé pareil que lui, en plus. Mais c'est lui, en fait. Ouais. And I would love to make you for that, you low-key motherfucker. Well, I wouldn't know nothing about that. A woman, you say? I like him a little younger than that. Turn out your pockets, Eli. Why would I do that? Because I'm about to break your fucking skull, Eli. Ça, c'est un Jean-Luc Lahaye en puissance, disons. Oh! You're in very deep trouble. Get some backup down here, Rusty. We need to get this one downtown and into a cell. Bah c'est le coupable, on l'a. Bah attendez, quoi que non, mais c'est pas logique. Lui il a ça, c'est la broche du papillon qu'elle portait, mais pourquoi son mari, à moins qu'il soit de mèche, les deux seraient coupables? Ouah, attends. Ok, alors là ça m'a mindfuck. Ça m'a totalement mindfuck là. Ça m'a mindfuck. What time did you see the person park the car? Late last night, after school social, maybe 1 a.m. I've been keeping a good eye out lately. We've had problems with the child molester. Eli Rooney. We've met him. Filthy son of a bitch. He was here yesterday before the dance. Was it him you saw park the car? I don't know, sir. I'd like to say yes, but the truth is it was pretty dark. Would you say Rooney is violent? Yes, sir. I would say so, yes. Mm. Thanks for your help. D'accord. En plus, un gars violent. Super. Alors, inspectons un petit peu ça. Alors, quelque chose. Ah, bah le coffre. On peut juste inspecter le coffre. Ah. Ah. Blood and skin samples. We better get Ray Pinker out here. La corde. La fameuse corde. On l'a trouvée. Hmm. Apparemment, on a notre bandit, hein. Mais son daron, du coup, dans l'histoire, il n'est pas totalement clean non plus. Combinaison de travail. Ils seraient de mèche, alors. Ils sont de mèche, peut-être. J'aurais tendance à croire qu'ils sont de mèche. Enfin, si j'ai bien tout compris, bien suivi, ce serait ça, alors. Mais pourquoi planquer les preuves là-dedans? Ça reste con quand même au final. Planquer les preuves dans la bagnole justement de la personne assassinée, c'est con, c'est sûr qu'on va les retrouver. C'est qu'on veut qu'on les retrouve à ce moment, c'est con au final aussi.
Non, Cole, lâche ça, on a déjà vu. Tu peux fermer le coffre. Appeler la centrale. Ouais, on va devoir faire ça, je pense. Hein. This is the car. Yes, sir, detective. Have you looked it over? Superficially. I was told to wait for you guys. Thanks. We'll take it from here. Bah, on a déjà vu, hein. On a fait le tour. Hein. Look, I'll help all I can, but I don't want to be given the third degree. Ah, mais juste, j'essayais de savoir si t'avais d'autres infos, c'est tout, pardon. Ouais. Tu sais, des fois, il faut secouer un peu le cocotier pour voir ce qui en tombe, des fois. Bon, bah très bien, on va continuer notre enquête, du coup. Mais là, j'avoue... Oh, oui. On prend celle-là. Rusty, bouge ton cul. On change, on va prendre une autre bagnole. On va prendre celui-là. Oh oui. Oh, est stylée celle-là. Attends, bouge pas Rusty, je viens te chercher. Oh oui, celle-là elle est trop stylée cette voiture. Hop, je suis là Rusty, t'inquiète, bouge pas, j'arrive. Hop, vas-y, je te laisse poser ton cul dans la caisse. Moi, je vais appeler la centrale juste avant qu'on décolle. Oui, parce que là, oubliez d'utiliser les téléphones, on va dire, fixes. Enfin, les téléphones fixes, ouais, voilà, une sorte de cabine téléphonique. Vu que les téléphones portables n'existaient pas, comme vous pouvez l'imaginer dans les années 40. J'ai une interrogation set up at Central pour both suspects being held in the Mueller homicide case. Certainly, detective. I'll get in touch with the watch commander. Thanks. Bien, Mueller, je crois, est arrivé à Centrale. On va pouvoir aller s'occuper de ça. I think we should lay it on him. Ah, on peut aller à la morgue également. Nous allons nous rendre à la morgue d'abord, du coup. Alors, on peut toujours avoir d'autres informations complémentaires qui pourraient toujours nous être bien utiles. My gut says Mueller. We caught him trying to destroy evidence in his backyard. On va essayer de faire les choses bien sans se cracher. I never said it wasn't. Hell, he probably killed his wife. Fired that poor kid of a mother. But he's not in immediate danger to anyone else. Rudy's a threat to every kid. He's a peeper rustler. We could pick him up for something else. Will he want to run that risk? On est pas mal, ça va, pour l'instant ça gère. Ça gère, pas de crash pour l'instant. Mieux vaut éviter particulièrement les crashs. On est bien là. Là on est bien. Attention, par contre au carrefour, c'est là où c'est les points chauds. On gère bien. On a bien géré sur cette ligne droite. Et on est arrivé. Là, je reconnais, on n'est pas loin. La morgue est juste un petit peu plus haut. Voire peut-être un peu plus que ce que je pensais en fait. Non, ça va. C'est là. Donc du coup, bon, bah, on va même pas prendre le risque de faire des dégâts. Juste une petite rayure. c'est rien. On va essayer d'éviter de se cracher. Voilà, c'est juste en face. Et ouais, tu me klaxonnes pas, ok? Je suis keuf, j'ai tous les droits, ok? Ça. J'ai entendu que j'ai pété le feu rouge, mais. On l'a pas vu. Ouais, c'était passé déjà en pilotage automatique à ce moment. Ouais. Donc normalement, on peut pas comptabiliser ça en dégâts. Je refuse. Hop là, impec. Alors, juste par contre, avant de nous rendre dans les locaux, je vais juste aller me prendre une petite collation. J'arrive tout de suite. Get moving.
What are we waiting for? Hey, Cole, let's get moving. Bien. Nous sommes back. Normalement, ça, c'est le genre de truc que je vous coupe dans les vidéos quand je fais du montage. Mais en l'occurrence, là, ce sera pas le cas. Je vais pas m'emmerder. Donc, du coup, bon, j'espère que vous aurez essayé de sauter un petit peu dans cette vidéo-là. Ouais, bah, je viens tout juste de revenir. Ta gueule, Rusty. Hein, laisse-moi poser mon cul dans mon siège. Ah, ça fait du bien. Bon. Hop, on est reparti. Alors, le Mercury Knight Entrance. C'est juste l'entrée par laquelle les morts rentrent de nuit seulement. Parce qu'il y a une entrée de jour également. Il faut savoir. Bien. Let's go. Allez, en route. Alors, ah oui, je me souviens, on était déjà venu ici en plus dans une des affaires qu'on avait fait avant, quand on était dans la brigade de la circulation, oui. Et ouais, et toujours le même endroit. Thanks for coming. Can you blood type the shoes that we bagged and see if they're a match? Sure. It'll all be in the report, but I'm assuming you want the details now? Please. Cause of death is strangulation? Correct. Take a look at the samples on the bench. On va jeter un œil à ça tout de suite. Ah. We've got to nail this guy. Ah, c'est sûr, absolument. C'est sûr. Ah, c'est moche. Allez, vas-y, regarde ce qu'il y a de l'autre côté, Cole, s'il te plaît. Voilà. Alors, on a différentes cordes. Hein, d'accord. Supposons qu'on prenne la première. Ah, d'accord, ok. Et on doit voir si ça match, en fait. Alors, j'ai senti que ça vibrait, mais... Non, c'est pas bon. C'est ça, j'imagine? C'est ça que je suis censé comprendre? Et si je fais... Ok. Ok, bon, c'est un petit peu con, hein, quand même, hein, ce genre de séquence de gameplay, mais bon, pourquoi pas. Ouais, ça matche pas, quoi. D'accord, ok, bon. Bah, j'imagine, à tous les coups, c'est la dernière, hein. On va faire la deuxième. Ouais, non, ça matche pas, bien sûr, hein. C'est évident, hein, en même temps que c'est la troisième, hein, en fait, c'est ce qui me semblait plus proche. What are the normal uses for that kind of rope? On boats, mooring lines. Correct. Vu l'épaisseur, ouais. Although Ray says that they're sometimes used as bell ropes in churches. Possible, peut-être même, certainement. Mais en l'occurrence, qui bosse sur un bateau parmi ceux que nous avons rencontrés? A sailor or a minister? Well, in my experience, sailors seem to have the greater libido. Was Mrs. Muller criminally attacked? No external or internal traces of semen. Thanks, Mal. Mm. Anything else comes up, you let us know. Ok, très bien. Donc c'est pas un pervers sexuel, celui qui a fait ça. Particulier. Ah, ça tremblait encore. Ah, c'est ça, je pense.
shoe prints? Size 8s. Very similar to the impressions from the Henry case. Now, who do we remember got caught in bloody size 8s? I think we have our bird. Okay, if you're finished jawing, we need to get moving. C'est chaud, quoi. À moins qu'il soit de mèche, du coup, ouais, à ce moment-là. Parce que, en fait, quand tu vois ça, les empreintes de pas, ça indique, du coup, son mari. Et quand en plus il essaie de brûler ses godasses et tout, là, avec des traces de sang. Bon, on va l'interroger encore après par rapport à ça, j'imagine, mais ça semble être lui et genre qu'il aurait en quelque sorte recruté l'autre mec, embauché, ou son de mèche tout du moins, pour que lui il efface les preuves de son côté, quoi. Mais c'est chaud, quoi, quand même, quoi. C'est pourquoi, genre. C'était quoi leurs histoires de couple, leurs problèmes de couple pour qu'on en vienne à des trucs pareils, quoi, les merdes. Non mais c'est hardcore quand même d'en arriver à ce point-là, quoi. Ah, mon dieu, mon dieu. Bon, je crois qu'il a plus rien à me dire, hein. Bon, le gars qui suit le sol, bien sûr, je pense que lui il a rien à dire de plus, mais le médecin légiste non plus apparemment. Bon bah très bien. Ici j'avais déjà vu, je peux pas utiliser le téléphone. Bon, c'est astro, j'en ai pas l'intérêt tout de suite. Bon, on va se rendre au commissariat du coup. On a vu ce qu'on avait à voir ici. Let's go. Ma voiture, où est-elle? Par là. Ah, je suis connu. Je suis le. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Je suis le flic, genre en fait, que j'ai vu sur genre, les journaux. Et ouais, c'est moi, Cole Phelps, le légendaire, le seul, l'unique. Bon, il faudrait choisir un lieu quand même là. Ou ce serait bien qu'on aille quand même se rendre. Voilà, le comico. Ah, j'ai oublié de changer de costume d'ailleurs pour cet épisode. Merde, je viens d'y penser. Bon, c'est pas grave, bah, du coup, vu qu'on a fait une bonne partie de la vidéo comme ça, on va rester comme ça, on changera dans le prochain épisode. Faudra juste que je m'en souvienne au début. Salope. Enculé. Mince. Ah, j'espère qu'on arrivera à avoir nos 5 étoiles quand même. J'ai battu au moins le tramway à la course, ça sera ma petite victoire dans ces vidéos. Ah, c'est ici, va pas plus loin. Hop. Commissariat central. Ça doit être pendant l'été, hein, parce que c'est genre le crépuscule 20h. Ah, vivement l'été. Et vivement la fin du confinement aussi, bordel de merde. We'll work the evidence, Rusty. Let him do the rest. Are they ready? Bowlers in two and the perverts in one. Get in there and get a conviction. Okay, girls. Ah, ça va être quoi, genre. Bon, on va voir. Si je me dis quoi, on peut interroger que l'un ou l'autre, ou ça se passerait comment? Je sais pas par lequel je devrais commencer. Il m'a dit Moller est dans la 2. Captain, we were on our way to interview Eli Rooney. Yes, Phelps, I know. This particular fiend is an old acquaintance. I have tried to reaffirm his belief in a wrathful and terrible God. Whichever way it goes. T'as des comptes à régler avec. J'imagine, je comprends. Room 1, c'est Moller, je crois. Bah écoutez, vu qu'on est déjà là, de toute façon, on va s'occuper de celui-là. Ah non, c'est l'autre, du coup. Bien. Quel est ton boulot? Family a roadkill during the Dust Bowl. But you have a job. A parolee has to have a job, correct? I have me a job down in San Pedro. I'm looking for something new. Je dirais doute là-dessus. Bon, je suis ensanglanté. Coffre de tir. HM, maison de travail verte, achète 100 avec inscription HM. Il nous a dit quoi déjà? C'est soit doute, soit mensonge, hein, de toute façon. On dirait que vous avez. Je vous
vous ai demandé de compatir, donc les temps sont durs et... Peu. Pardon, j'ai connu pire, ma famille a bouffé des charrues pendant le Dust Bowl. Mais tenir le contenu, il faut avoir un travail, non? J'avais un travail, Saint Pedro, là je cherche un nouveau. Doute. C'est ça. Hennessy Marine. You can't miss place, big yellow letters HM out. They give you any workwear, Eli? Sure. Green coverall. Dang thing was hot, felt like I was back in the pen wearing. Bah c'est marrant, on l'a justement retrouvé d'ailleurs. Accès à un cordage tressé. You ever tie up any of your victims, Eli? It's not a nice thing to go calling them. What would you call them? I can't say. I learned a long time ago not to go talking about the things I like. Talking about it just seems to get people's dander up. Answer the goddamn question, Rudy, before I brain you. See what I mean? Short answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? I know a good rope from a bad rope, if that's what you mean. That's not what you mean, is it? Any old rope will do me fine. J'aurais envie de dire vérité là-dessus. Ah, je vais utiliser un point d'intuition. Alors là, vraiment, il arriverait à me mettre... Super. Supposons si je dis mensonge. You're a creature of habit. You just get out of jail and you're back to your old ways. You use a specific type of rope. That may be the case, but you got nothing that says I used a rope to hurt that woman. Ce qu'il m'a dit est certainement juste. Ça, c'est son mari. La corde. Morceau de corde taché de sang découvert dans le coffre de... La combinaison de travail, maintenant on parlait de la corde particulièrement. Vous sortez à peine de prison et vous recommencez déjà comme avant. Vous... Est-ce que je peux dire la corde? Je vais me retrouver baisé. On le tente. C'est pas ça. C'était pas ça. Is there some money coming my way for finding that butterfly? J'ai tenté. You killed Mrs. Mueller and stole her jewelry. That ain't so. Ain't done nothing like that. Non, ça je sais, c'est mensonge. Ça je suis sûr. You're a liar, Eli. You needed the money, so you killed her. I've been around some, son. You got some evidence that proves I stole that butterfly from that woman? J'affirme avoir appelé plusieurs fois. Non, c'est pas ça. Broche en forme de papillon offert pour une dispute conjugale. Ça? Oh, mais putain, mais non, mais. Putain, deux erreurs d'affilée, quoi. What size boot do you wear, Eli? Kind of like anything I can get my hands on. I'm wearing 11s. Deirdre Mueller was strangled and then someone did a dance on her torso. Someone with a lot of anger. Someone with a lot of hate in them. Someone wearing size 8s, Eli. You got some reason other than you don't like me while you're trying to hang this thing on me? Non, là-dessus, je pense que c'est doute qu'il faut dire. Empreinte 41.
Nothing personal. I'm just doing my job. Understand that. Doute. Allez. C'est ça. Five, six tops. Putain, on a vraiment mal géré cet interrogatoire. On l'a vraiment mal géré. 2 sur 4. Maybe 10. Maybe 8. Now that I come to think of it. Why punish children with your iniquity, Eli? You think I was never punished? You must know what you're doing is evil. Well, son, nobody's perfect. I don't like you, Eli. I think you're an evil man. I think you try to pass off your pain to other people. I can't make you for this case, but my consolation is that I don't think you will be out of prison for very long. You can count on it, shitbird. By the way, Eli, the captain and the hat squad would like to talk to you next. Any idea what they might want to talk about? My money, Hugo Muller's our number one suspect. Hugo Muller. Solid. Ok, on pourrait l'inculper, mais attendez, il y a encore un autre interrogatoire qu'on peut mener. On va essayer d'interroger également Mister. Histoire qu'on ait une vue d'ensemble de chaque témoignage. Parce que ouais, lui, les traces de pas ressemblent à... I swear I didn't kill her. Give me that lie test, I can prove it. Why did you burn your shoes, Hugo? Because I knew you'd never believe me. Bah, je pourrais dire vérité pour le coup. Mais je sais pas, là-dessus, comment je suis censé répondre, hein. Doute. Are you gonna tell me what I want to know, or do we have to take it out of you in lumps? Putain. Do it your best shot. I can take whatever you're throwing. Il fallait répondre quoi, putain? Fallait dire ah mensonge. Bah oui, c'était évident. Mais ouais, mais putain, je suis con. Fallait dire mensonge, mensonge. Donc on a retrouvé les traces pareilles. You know anything about ropes, Hugo? As much as the next man. I was a scout. I learned some more in the army. Là, je dis doute. You learned ouais, to là, strangle c'est with a rope in the army? With rope, with my bare hands, but mainly with wire. I learned a lot of things in the army, but I still didn't kill my wife. For argument's sake, what type of rope would you use? If I had to, I would use a triple braid. Less flex, easier to control. We found your wife's car. Someone parked it at the school late last night. Do you have anything to say about that? It wasn't me. Where do you keep your work clothes? I keep them at work in my locker. That way? Enough lies, Hugo. Your overalls put you at the scene of the crime last night. My overalls are in the laundry of my house. That way? Ça. Green et ça. Overalls, blood stain, with the initials HM, found in the trunk of your wife's car. They can't be mine. Why, Hugo? Because if they were yours, they'd be in the incinerator too. Bien lancé, mon cher Rusty, j'avoue. Ah, mais ça m'aide pas. Du coup, les deux sont. Ouais, ça pourrait être l'un comme l'autre, quoi. Axel et mon pneu. An appropriate choice of tool for a mechanic. I know nothing about any tire iron. Est-ce que je peux utiliser une preuve ici? Je vais utiliser un point d'intuition là, carrément. Je vais même pas prendre de risque. Ok, mensonge. You're lying, Hugo. You're gonna have to come clean on this. You got no. Ah, je sens que c'est ça, on est sur la bonne voie, c'est un mensonge. Après une dispute conjugale, c'est pas ça, chaussures d'homme, tachées de sang. Est-ce que ça pourrait être ça? Vraiment, ça pourrait être ça? Attendez, je veux pas me rater encore, Ouais, parce que si. C'est aussi. Votre femme a été par des montres, un choix tout indiqué pour un mécanicien. Je sais rien
sur des montres pneus. Vous mentez, Hugo, il va falloir que vous soyez honnête. Vous n'avez aucune preuve. Ouais, bah, je pense, non, si je peux utiliser la preuve que j'ai là, alors du coup, des montres pneus couverts de sang. Ouais. Drove a Chevrolet, Hugo. What make of car do you drive? Chrysler Airflow. So I guess that explains why the tire iron that killed your wife came from a Chrysler. Ah ok, j'ai posé toutes les questions et donc du coup, ouais, c'est le moment fatidique. Nous avons deux suspects. Nous devons trouver la bonne fin de cette enquête. Est-ce son mari ou est-ce le fou furieux, le pédobire du lycée? Je vais voir si j'ai pas, ça m'a pas débloqué d'autres questions avec l'autre mec. Je vais voir si je peux lui poser d'autres questions en plus. Des fois, ça peut débloquer des questions de souvenirs. Je suis obligé de... Ah, je peux pas l'inculper. D'ailleurs, c'est quoi l'objectif, en fait? Mais c'est ça, en fait, du coup, à ce moment-là. Ah, je sais pas... En gros, j'ai pas le choix. Je peux pas inculper lui. Je peux que inculper... en fait, bah, son mari, alors. D'accord. Bon, bah, finalement, en fait... Bon, bah, j'ai cru qu'on avait le choix. D'accord, je pensais que, je pouvais encore poser d'autres questions après, derrière, mais finalement, non, en fait. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est encore... plus linéaire que je pensais, ah, en fait, finalement, dans cette mission, quoi, alors, du coup. Enfin, dans cette enquête. Bon, bah... apparemment, tu serais bien... je suis pas certain, en vrai, entre lui ou l'autre. Moi, je suis pas sûr, en vrai, je suis pas certain. Mais le jeu, apparemment, m'indique que je peux que inculper lui et pas l'autre, au final. Et puis, j'ai essayé, hein, de lui causer, Hugo mais... Muller, I'm charging you with the murder of your wife. You'll be arraigned and taken before a grand jury. Book him, Rusty. With pleasure. Bah, ça me fait chier quand même d'envoyer un père de famille en tôle, mais après, si ça se trouve, c'est vraiment lui, hein. Mais je sais pas. Bon, bah après, ça a l'air d'être la bonne décision, hein. Sinon, le jeu m'aurait proposé choix, mais on pouvait inculper que lui, donc. J'espère qu'au niveau de la note, ça sera pas trop. Pfff, si, ça sera 4 étoiles, je pense. Promises of swift and fearful retribution, and you bring me an armful of vagrant happenstance. You made the department look bad, lad. Do it again and your career as a policeman will come to an abrupt and ignominious end. You two are back on the streets. Find street criminals, roust them, beat them, and restore some fervor to your police work. The next case will come when you've revived my faith in your abilities. Now get out of here! Ah ben, apparemment, ce serait trop loupé. On se serait trompé. Oh non. Si on s'est trompé, alors là, la note, elle sera encore plus mauvaise. Ah là, on va voir. Mais je pouvais pas interroger d'autres personnes. 4 erreurs, quoi. On a trouvé tous les indices, mais 4 erreurs, quoi. Et au niveau des dégâts... Ah, oh, putain, ouais. Au niveau des dégâts. Aïe, la plus mauvaise des notes, on s'est trompé sur les questions, en fait, c'est pour ça peut-être qu'on n'a pas pu inculper l'autre, alors, en fait, du coup, mais apparemment, on s'est trompé. On a eu 2 étoiles sur 5, c'est la plus mauvaise note qu'on a eue jusqu'à présent dans ce let's play, on s'est trompé. Là, je pense qu'on s'est trompé, en fait. Tandis que Hugo Moller s'apprête à être inculpé de meurtre, Michel va devoir se faire à l'idée d'être orpheline. Merci pour la petite note en plus qui remplit de gaieté en plus pour cette petite. Hein. Ah, super. Et en plus, je crois... Bah oui, bah... Si on a eu 2 étoiles... Ok, j'ai fait un peu de dégâts, mais... C'est violent quand même. Si je me trompe sur 4 questions, 2 étoiles. Je trouve que c'est violent. Je crois que je me suis trompé, en fait. J'ai accusé le mauvais mec, mais... J'ai pas pu voir si je pouvais inculper l'autre, du coup, parce que j'ai pas pu avoir les bonnes réponses, justement, lors de son interrogatoire à lui, en fait. Lors de l'interrogatoire du pédobire. Ah, quelle déception. Quelle déception. Ah, c'est parti en couille à la fin. On était bien parti au début, mais à la fin, c'est parti en couille sur les interrogatoires. Ah, c'est dur, c'est dur. Hein. Je vous l'ai déjà dit en début de let's play, mais... Ah, c'est les interrogatoires. Plus on va avancer dans les enquêtes, et plus ça va être compliqué. Là, Ah, là, j'ai pas géré. Je suis déçu de moi, je vous le cache pas, je suis déçu de moi. Bon, on va s'en contenter du coup pour cette vidéo, de toute façon, on pourra pas faire autrement. Nous allons donc nous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Je vous donne très bientôt rendez-vous pour la suite donc de ce let's play sur Les Noirs. En attendant, portez-vous bien et je vous dis salut tout le monde. On va voir s'il n'y a pas une cinématique quand même dans le cas où. Peut-être qu'il y en a une, hein. Des fois, je me fais avoir. Ah, il y avait une cinématique. On se laisse sur la cinématique. Belt, we captured two regular armies. Lieutenant, Belt, we've been over this. That sniper barely missed you back on the beach. Until the mission is over, there'll be no more saluting or signs of rank. I'm in charge here, Metier. Do you wish to interrogate the prisoners? Another beat. Why they look so sullen? Wondering why we haven't killed them yet. There is no greater shame than being taken prisoner. Yet this golden boy actually seems to know what he's doing. Nothing got to know, Kai Sol Tov, Namai O, Nana Tikutsu. Daiyun Daibutai Shizuku Heida. Kissima, Nani Samadato. Tarunda. See that, boys? He slapped that Jap right upside the head. It was merely to remind him of his place. His shame was the tone of voice that he used with a superior. I respect the Japanese, Corporal. Respect, we're here to kill the sons of bitches. You know why we are fighting the Japanese, Private? With respect, sir, these bastards attacked Pearl Harbor. And why did they attack Pearl, Private? Because they hate the U.S. of A. and our way of life. They attacked the U.S. because we cut off their oil. What would we do if another country denied us the gas to run our cars? Cole est moralisateur également, apparemment. Par moment. Le meurtre du bas de soi. Mais ça, ce sera dans l'épisode suivant. J'espère que ça vous aura plu encore une fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.